Ouais, non, vous vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe, hein. Voilà, je m'adresse à vous, chers spectateurs. Mais pourtant, comme vous, je... Moi, je n'ignore pas l'odeur insupportablement embarrassante d'une personne qui ose ainsi hausser le ton et qui parle à la cantonade, mais... Voilà, mais je me le permets parce que je voudrais faire précéder cette histoire d'une introduction. Celle que j'ai en tête n'est pas seulement verbeuse et pédante, au-delà de tout ce dont j'aurais pu rêver, mais pour ne rien gâter, elle est aussi horriblement personnelle. Bon, une introduction. Puisque de toute évidence, je ne suis pas le héros de cette histoire, eh bien je m'accorde le droit d'en être le narrateur. Et d'ailleurs, cela convient assez bien à l'omniscience qui me caractérise. Et ce, malgré les doutes que pourront vous confier quelques-unes des jeunes filles que je connais, parce que... Ah oui, elles le savent pas, mes petites amoureuses, mais... Je sais être partout à la fois. Par exemple, ici, dans ce département du centre de la France qui est en forme de pomme de terre sur les cartes. Il y a un an, mon frère Paul, que vous avez aperçu tout à l'heure dans mon lit, a décidé de quitter la ville pour venir s'y installer. Il n'est pas parti seul, mais avec Anna Liu, qui est le fils d'Anna. Pour justifier son départ, il m'avait à l'époque mollement assuré que ce serait plus facile de vivre là-bas, à la campagne, plutôt qu'ici, à Paris. Puis, sans sourire, il avait amendé son argument par la nécessité de mettre des distances entre lui et moi. Cet aveu qu'il passait en contrebande, je ne l'ai pas relevé. J'aurais dû. J'aurais dû l'arrêter, cet aveu. J'aurais jamais dû laisser partir Paul sans qu'il me voie fondre en larmes dans ses bras. Voilà, si j'avais eu un peu plus de talent de douanier, rien de ce qui va suivre ne serait arrivé. Bon, allez, maintenant je me tais. Je vous ai promis une introduction, pas une visite guidée. Je redeviens un personnage qui ne vous connaît pas et qui sait rien de ce qui arrivera. J'ai bien le droit, moi aussi, à ce minime privilège. Juste permettez-moi de vous poser une dernière question. Peut-être qu'après tout, votre expérience de spectateur prime sur ce que j'ai déjà pu vivre. Est-ce qu'il est possible, vraiment, qu'une histoire d'amour nous fasse sauter d'un pont ?